It's gonna be in French, but you also have the translation on your WhatsApp. Hello, bonsoir et à tous et à toutes, et ceux qui ne comprennent sans doute pas que je suis en train de dire, parce que j'ai décidé de faire mon discours en français. Je suis désolée d'avance parce que vous allez certainement me voir rire ou pleurer, sans vraiment savoir à quel paragraphe nous sommes, mais je sais que le fond et la forme nous réunissent malgré la séparation linguistique. Je me présente, Alison, la plus belle, intelligente et extraordinaire personne du monde. De toute façon, je peux dire ce que je veux parce que 90% des personnes qui sont ici ne vont pas parce que je suis. Ah, et aussi, accessoirement, je suis la sœur de la mariée, pour ceux qui ne le savent pas. Stéphanie, j'avais tellement peur de faire ce discours ce soir. Non pas parce que j'avais peur de devoir parler devant tout ce monde, mais parce que j'avais peur de m'emmêler les pinceaux. De ne pas savoir par où commencer et par quoi finir, tellement il y a deux choses que j'aimerais te dire. Mais maintenant, je sais par quoi je devrais commencer. Tout simplement par la phrase qui fait que nous sommes tous réunis aujourd'hui. Cette déclaration que l'on peut faire à une amie, une mère, à un amour, à une sœur. Je vais commencer par un « je t'aime ». Il y a tellement de choses que j'aimerais te dire. Tu as toujours été mon modèle, que ce soit en amour, ton côté baroudeur, ta détermination, ta vie en tant que femme et en tant que mère. Il n'y a pas de mots pour te dire à quel point je suis fière d'avoir une grande sœur comme elle et à quel point elle est incroyable. Stéphanie a toujours été là pour moi, du plus loin que je me souviens, malgré le fait que parfois je pouvais être insupportable. Elle a toujours été là pour les bons comme pour les mauvais moments. C'est que ça. Je sais qu'elle sera toujours près de moi, quoi qu'il puisse arriver, et j'espère qu'elle sait que je serai toujours là pour elle. On ne se voit pas énormément à cause de la distance, mais il y a une phrase qui résume assez bien ce que je ressens. La distance sépare deux corps, mais jamais deux cœurs. C'est vrai. Je parle beaucoup du fait qu'elle a toujours été là pour moi. Et vous savez, c'est important d'avoir une grande sœur. Mais je pense aussi à Lucas et Tam, mes deux amours de neuf qui ont la chance d'avoir elle pour maman. Vous avez fait deux adorables enfants. Et je vous remercie chaque jour de m'avoir donné des neveux aussi extraordinaires. Ils ont une maman merveilleuse qui fera toujours de son mieux et un papa tout aussi merveilleux. Vous êtes de bons parents, n'en doutez jamais. Je suis tellement heureuse de pouvoir être là avec vous et de vous voir aussi heureux. Du plus loin que je me souvienne, vous êtes la première histoire d'amour réel que je connais hors des films Disney et autres contes de fées. Ouais. Je me souviendrai toujours du jour où tu as ramené David chez maman et papa. Déjà, je comprenais pas un mot de ce qu'ils disaient. Mais il y a une chose que je pouvais comprendre même à l'âge que j'avais. C'était le sourire qu'il arrivait à mettre sur ton visage. Vous complétez véritablement. Et plus le temps passe, plus je me rends compte à quel point c'est beau. Vous complétez véritablement. À tel point qu'enfant, je trouvais ça trop dégoulinant d'amour et je trouvais ça très dégueu. Mais plus le temps passe et plus je me rends compte à quel point c'est beau et que votre amour est à préserver. Et David, je suis si heureuse de toujours voir que tu arrives à faire sourire ma sœur comme jamais après toutes ces années. Thank you, David, for making my big sister the happiest I've ever seen her. I'm so happy knowing she is with a man who caring, loving and supportive by her side. And you know, I would do anything for her. She is one of the most important people in my life. So if you break her heart, I break your legs. Je veux encore vous féliciter, vous dire que je vous aime très fort.
Et surtout que je vous souhaite un merveilleux nouveau chapitre de votre livre. David, welcome to our family. Et Stéphanie, je finirai par la phrase avec laquelle j'ai voulu commencer ce discours. Je t'aime de tout mon cœur.